tous les autres maires en son nom. Et vraiment, c'est une journée qui est exceptionnelle pour nous parce que ça nous a permis de passer en revue les activités et projets et programmes que la GIZ et Sidio Group et la coopération allemande sont en train d'être menés ici à Djourbel. Et que je pense que au sorti de ces 3 jours, donc nous sommes très satisfaits des acquis et aussi des opportunités qui sont vraiment à la portée de toutes les communes. Je pense que les projets que nous avons identifiés dans le domaine du tourisme, à penser à Ngoye, dans le domaine d'un parc industriel, en pensant à Tourembonde, de l'énergie, en pensant à Patar, de la structuration ou restructuration ou traitement des déchets, en pensant à Tokigar, et des formations et des possibilités de jumelage et de coopération pour Djourbel. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et que vraiment nous sommes très satisfaits et très reconnaissants envers les maires d'avoir fait le déplacement et très reconnaissant envers M. Fran, notre expert en développement local, mais aussi à la GIZ qui accompagne et continue d'accompagner les activités de Sidio Group. En tout cas, nous vous remercions.